Oula. Elle a pas tort. Bonjour VOD, nous sommes de retour. On vient à peine de revenir de pipi, mais du coup, bah voilà, il se passe des choses. Je vais dire à Bijou de partir. Oui. Oui. Je reconnais la voix de Madame Duval. Madame Duval. Et tout à fait. Ah bah c'est vous. Comment vous allez alors? Comment ça se passe le saloon? Ah bah écoutez, le restaurant ça va. Moi Oula. Un peu moins là tout de suite. Ah oui, non, effectivement, qu'est-ce qui vous arrive? Cheval contre cheval, c'est un peu... Ah, et vous avez perdu. Rétamé la tronche avec un monsieur là sur la route. C'est qui qui est sur le cheval? Non, c'est pas mon cheval en tout cas. C'est $3 de le soigner le machin. Ah d'accord. Ah bah allez vite Armadillo, je pense qu'il y aura du... Il y a des médecins, en tout cas j'avais vu qu'il y avait la Daphné. Vous avez la tendance à se réveiller. Oui. Oui, c'est ça. Vous allez bien, vous? Bon, ah bah mieux que vous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah moi, j'étais malade pendant un temps, alors j'étais pas là beaucoup. Mm-hmm. Et puis ça va bien mieux. Et puis là, ce soir, l'anniversaire d'une amie à nous. Alors on va essayer de voir, on va essayer de la croiser. Normalement, elle va être sur Armadillo aussi. C'est Pearl. Ah, c'est son anniversaire. Oui, c'est aujourd'hui. Ah, impeccable, ça va. Du coup, on va essayer de voir si elle est Armadillo pour un peu lui fêter, quoi. Bah oui, carrément. Donc, bon, je pense qu'on va se croiser là-bas si vous y allez pour vous soigner. On va dans la même. Ça marche, et bah à tout de suite. Attendez, regardez-nous tous les deux. Ouais. Est-ce que vous voyez pas quelque chose de changé? Moi, surtout toi. Hein. Toujours pas de chaussures. Non, c'est pas là que ça se joue. Non, comme ça, j'ai pas. Si ça peut vous rassurer, je sais pas de quoi il parle. Tel que vous nous voyez, on est des chasseurs légendaires. Ah oui, c'est vrai. D'accord. On a eu des animaux légendaires. Wow. Comme une panthère qui ressemblait quand même vachement à un chacal, un coyote. Oui. Mais coyote roux. Un crocodile. Alors moi, ma grande découverte, il y a quand même une panthère qui existe hein, dans l'Everglades en Floride. Oh. J'ai fait la cherche. Je me demandais vraiment c'était quoi cette histoire de panthère dans le coin. Et apparemment, elle existe. Ah d'accord. Elle existe. Voilà. Oh, ça mérite réflexion ça. Exactement. Et bah ça nous avait dit. Ça surprend. C'est pas l'image que c'est une panthère. Non. C'est une la panthère. On s'était dit oulala, ça va être incroyable. Et en fait, on a vu passer un espèce de petit. Oui, on avait une mauvaise info sur le moment en fait. Qui était plutôt joli. Oui. On pensait que c'était une panthère. Et bon, à force de rester des heures à attendre la bestiole. C'est la panthère qui est à la mine Captus. Vers un iceberg, oui. Ouais. Vers un iceberg. Non, oui, c'était en fait. Il y a un cougar là-bas et il y a une panthère un petit peu plus loin, oui. Oui, donc, vers un iceberg. Sauf qu'en fait. À la mine juste au sud-ouest ici. Ah, il y a une panthère. Chasser là-bas. On l'a pas encore fait. Vous savez, on est des légendaires débutants. Oui. D'accord. C'était la première fois. Un piège et du gros gibier après 1h du matin. Ah, il faudra qu'on fasse le plein de viande pour si on veut rechasser d'ailleurs. C'est vrai. Mm-hmm. Bon, pas du tout. Merci pour l'info. On fait partie du club légendaire. Voilà. Oui, à tout de suite. Juste une question, le théâtre à Blackwater, toujours pas? Ah bah, c'est difficile de trouver des artistes en fait, donc forcément... Regardez, il y en a une qui est pas très loin. Ah, bonjour. Chanteuse émérite, tout ça. Moi je suis arrivée il y a quelques jours, Elisabeth et justement on m'avait parlé de gens qui voulaient reprendre le théâtre de Blackwater, on m'a dit qu'on avait plus entendu parler de vous. Donc je sais pas ce que c'est vous. Oui, c'était nous, je vous avais. Et moi ça m'intéressait parce que j'avoue qu'entre Saint-Denis et Blackwater, je préfère Blackwater quand même. Ah bah oui, je me doute, oui. Mais oui, bah c'est que vu qu'on a peu d'artistes, c'est vrai qu'on se disait bon bah pour le moment on laisse un peu de côté parce que finalement on avait qu'un groupe de chanteurs et c'était tout et on s'est dit bah ils vont pas se produire tous les soirs au même endroit, ça va dégonfler. Bah, le problème aussi c'est que le théâtre de Blackwater il est pas très adapté non plus au spectacle, ça c'est un peu. Oui, vous l'avez vu. En fait, ça sera plus des petits trucs de rue et tout ça un petit peu. Ah du coup il y a que la petite salle de projection qui est ouverte. Bah oui. C'est ça. Donc ça c'est petit. On a un joli kiosque à côté qui peut servir aussi. Oui, nous on trouve le kiosque dehors vachement plus sympa. C'est ce que j'ai pensé aussi, oui. Ah bah ça pourrait être chouette. Bon bah écoutez, on relance le gouvernement cette semaine. Oui. Et puis, attendez, donnez peut-être votre... Madame Denise, vous notez le télégramme de madame? Tout à fait. 6-4-5. Non mais tu l'as appris par cœur parce que... tu comptes m'envoyer. Il le connaît par cœur. Je t'ai encore jamais écrit et pourtant c'est vrai, je sais pas comment vrai, je fais. C'est vrai, Non mais je... Voilà. Alors dites-moi votre nom, si ça vous dérange pas. Elisabeth Legrand. Elisabeth Legrand, oh une Française. Avec un Z et TH, oui.
Des fois, j'ai des numéros, je voudrais les apprendre, je les apprends pas, puis des fois, il y a des trucs. Des fois, ça reste. Ouais. Parfait. Ça reste. Non, mais avoue qu'en fait, à chaque fois que tu commences à l'écrire et tout, tu commences à faire une aide à moi, tu te dis, ah non, comment il s'appelle, le 2 ? Ridicule, et du coup, tu abandonnes le 2, c'est C'est ça. Tu l'as fait tellement de fois que tu connais le numéro par cœur. Ouais, bien sûr. J'ai oublié. Et dites-moi du coup le télégramme. DR645. DR. Ok, parfait. Hop. C'est noté. Voilà. Et si vous voulez m'entendre chanter, je me produis jeudi à Strawberry. Ah, c'est vous. À 21h. Oui, c'est moi. Mmh. Ah, bah je suis pas sûr que je pourrais être là, mais on verra si je peux. Mais ça va très bien. D'accord, d'accord. Eh bah très bien, c'est noté, merci beaucoup. Bah de toute façon, on se croise tout de suite à Armadillo, je pense. Oui, ouais. Oui, il y a des chances. Ah, ça marche. Eh bah merci à vous. À tout de suite. À tout de suite. Vous venez voir, je vais me ridiculiser. Ouais, on va tout mettre sur le rouge. Ah, ah oui. Ah, vous allez... Ah, je pensais que vous alliez finalement écrire cette lettre. Ah, un jour peut-être, mais pas ce soir. Ah, bon bah d'accord. Écrire une lettre comme ça? Non, non, mais... La lettre pour madame? Ah. Madame a beaucoup d'imagination. Ah. Eh ben, bonne chance! Merci. On dirait qu'il est bourré. Oui. Il est plus bourré que blessé. Et c'est parti. Ah, et Bijou, il faut la ranger. Ah oui, au garage. J'avais dit que j'ai été lui dire de partir et puis je l'ai pas fait. Attention! Hop là. Je descends maintenant. Hey Bijou, tu peux t'en aller. Je te laisse ta liberté jusqu'à la prochaine fois. Voilà. Nous sommes partis. Et c'est parti. Bah attention monsieur là, bah poussez-vous. Oh, bah, oui. Oh, j'ai une idée de quelque chose qui pourrait être chouette dans le théâtre. Ah. Une vente aux enchères. Oh. Ça, je suis sûr que ça peut intéresser des gens, ça, qui voudraient refourguer leur truc. Non, ça peut être chouette, ça. Oui, puis nous, vrai. On fait une petite com. Juste parce qu'on ça, a des lieux. Ça, pas mal. Parce que je sais que, par exemple, à un moment, il y avait monsieur... Oui, exactement. Il y avait monsieur Duke qui voulait revendre une calèche, je crois. Ou je ne sais plus qui. Bah oui, en fait, ça pourrait être pas mal, ça. Et c'est vrai que, bah, finalement, on n'a pas d'endroit où on peut vendre en des fait, choses on comme les... ça. On les fait venir. On les fait venir, on organise grande vente aux enchères, venez avec vos trucs à vendre. Oui. Ils présentent l'objet. Des armes, ensuite, des trucs comme ça. Des, trucs. Des et maisons nous, même fait, s'ils on... veulent. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Et nous on prend un pourcentage. Ou une com fixe, mais. Puis ça, ce serait. En plus, compliqué. Ce serait facile. Oui, en fait, moi, c'est ça surtout. C'est ça qui me plaît aussi. C'est moins je dois organiser, moins je dois faire 30 affiches. Plus ça me plaît ça. Bien que des affiches, il va falloir en faire quand même. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Bon, ça... Ça c'est rien, ça me on fera toujours le même modèle au pire. Ouais, on mettra un petit dessin qui représente le truc en particulier et puis, ouais. Et puis voilà, on modifie juste ça. Et... Comme ça, ils sauront que c'est notre patte. Ça, c'est nous ça. Non mais en vrai, ça va, je pense que ça va aller. Mais la vente aux enchères, j'aime bien l'idée. Et puis ça pourrait être très oui. utile. Ah oui, c'est ça. Alors, il faut qu'il y ait des gens qui aient des trucs à vendre, quoi. Oui, voilà. J'en avais entendu de manière ponctuelle, mais c'est peut-être moins le cas maintenant. Ou alors, on fait payer une entrée pour les gens qui veulent vendre. Oui. Parce qu'en fait, je peux me dire. Une commission. C'est un peu compliqué. Un peu compliqué, et puis bah c'est. Du coup, ça veut dire que si ça se vend pas, bah on paye pas. Oui. Et ça me plaît moins. Ça, ça me plaît moins. Alors bon, un petit. Voilà, un petit. Je sais pas. Un petit truc d'entrée, comme ça, même les curieux. Un petit $5 d'entrée, là. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait être vendu aux enchères ? Des flingues. Des flingues, c'est vrai que ça peut être vendu aux enchères, ça. Mais c'est-à-dire que éventuellement on peut organiser un petit peu, même avec les commerçants. Hein. Oui. Ils pourraient très bien dire, voilà, j'ai cette crosse. Ils font des offres spéciales pour l'occasion. De plastique, de noyer. Comme ça, ça fait... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ils arrivent en disant, voilà, cette belle arme, normalement, je la fais autant, mais voilà. Ça pourrait être l'occasion.
Après, ça se vend pas, c'est pas grave. C'est pour dire deux. Faudrait voir avec les commerçants si ça les botterait. Mais déjà, je pense que ce serait bien aussi d'organiser des... Même un lot une de nourriture. De truc de... Oui, mais... ou alors une espèce de petite fête des voisins. Pour présenter ah oui, un peu qui est le gérant du saloon, qui est le barbier, qui est le truc, voilà. Oui, bah ça, ce serait un petit peu un gala, quoi, quelque chose comme ça. Oui. Il faudrait, vu que c'est au théâtre, bon, une fête des voisins au théâtre, ça fait un... Mais un gala, bon, c'est bah... bien. Un gala, c'est bien. Gala, un c'est gala bien. Des voisins. Un gala des voisins. Ah mince, je voudrais voir mes télégrammes pour voir si elle m'a répondu depuis le temps, la petite. Il y avait énormément de gens et il y a énormément plus personne. Les gens disparaissent très vite. Ben oui. Mais ils sont pressés aussi, hein. S'ils sont tous comme peur de courir partout. C'est quand même bizarre. Peut-être qu'ils sont dans le saloon. Bon, j'entends pas de bruit, mais c'est possible. Bon, on voit pas de chevaux devant aussi. Je me gare ici. Oh, tu te gares bien, dis donc. Parfait. Ah ouais, moi, je suis un vrai gariste. Ah, oh, moi j'ai... Ah, je suis... Petit souci, là. Bon bah, y'a plus personne. Du coup, ils vont être contents, ceux qui ont besoin de médecins, là. Monsieur, tu veux quand même coca. Bon, bonjour, monsieur. Alors, vous gênez un petit peu, là, quand même. Je veux dire, vous êtes littéralement devant un comptoir. Vous avez décidé de vous allonger devant un comptoir. Qui si ? Ah oui, moi, d'accord. Je vois un monsieur allongé, moi. Ça va, monsieur ? Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Bien, et vous ? Alors... Bon, la petite perle, elle a pas encore répondu. Oh ! Oh là là, c'est qui tout ce monde ? Bon, zut. Il y avait vraiment... Il y avait personne et d'un seul coup, bah, il y a 700 oui. personnes. Mais ils sont partis. Ils sont partis par là-bas. Une bestiole dangereuse dans le coin. Il y a quelque chose de bizarre par ici. C'est un serpent ? C'est quoi ? C'est un serpent que j'entends ? C'est quoi qui est ici ? Ah oui, il est là ! Ah, il est là ! Bravo ! J'ai sauvé la ville. Oh bah, il a fait un petit prout en mourant. Speed dating, il y a déjà eu ça ! Que Madame Pearl a fait son anniversaire avec ses vrais amis. Oh, peut-être. C'est quoi ici ? Ils sont allés par là ? Je sais pas, hein. Ouais, c'est par là qu'ils sont allés, les gens qui couraient. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Venez voir, c'est incroyable. Ah bon ? Regardez. Oui, venez voir. Je me dis, tiens, c'est quoi ça ici ? Et ben regardez. Vous voyez une porte un petit peu comme ça ouverte ? Oui. Ben, bienvenue dans la banque. Oh. Ah, mais c'est l'entrée officielle de la banque. Ah non, c'est l'arrière de la banque. Ah, on est dans... Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça en fait. C'est fou ça. Par contre, je sais pas où est-ce qu'ils mettent mes sous. On veut des sous.
On veut des sous. Donnez des sous. Bon, ça suffit, j'en ai dans la pièce là-bas. Fouillez le tiroir, oui. rien du tout. Bravo. Et ça, c'est ouvert, ça? Oh mais oui, d'accord. Oui, en fait, les sous, elles sont protégées, c'est juste que bon, bah, on peut passer, quoi. Oui, mais moi, il est hors de question que... Oh là, planquez-vous, il y a des... Il y a des chevals. C'est très suspect, non? De se planquer. Oh, regardez ici. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, pardon. Il n'y a rien qui apparaît, là? Bah, moi, tout va bien dans ici. Dans votre esprit? Oui, dans mon esprit, tout va bien. Bah, venez, dans mon esprit, quand je suis ici, il se passe des choses. Non, moi, tout là, va bien. Arrêtez-vous là. Ah oui? Oui. Bah, là-bas, je crois. T'es bourré? Non. Vraiment là? Il se passe rien pour vous là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme une petite idée saugrenue? Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, c'est exact. D'accord. C'est surprenant de penser à ça ici et maintenant. D'accord. Bon, bah voilà. Bah non, non, non. Il y a quelque chose qui me gêne. Oui, bah oui. Ah, avec la lumière dans les yeux, je voyais rien. Bon, bah je crois qu'il y a nos amis là qui sont là-bas, mais les pauvres. On leur a dit il y a du monde à Armadillo, bon, bah personne. Bah c'est là, je vois Madame Pearl là-bas. Attendez, je recule. Franchement. Je la vois qui arrive. Ah, c'est Pearl. Non, c'est Daphné. Ah non, c'est pas. Ah non, c'est Daphné, qu'est-ce que je raconte? Ah, bah non, mais ils sont là. Monsieur Dubois. T'es sûr que tu veux faire ça comme ça? Au pire, on y va à pied, hein. Je vais le garer. Tu vas le garer? Ah, mais regarde sur ta carte. Ah, incroyable, non, regardez. En fait, c'est mieux que je vous montre la direction. Oui, c'est bien. Ouais, vas-y, vas-y. C'est pas mal comme ça. Oui, c'est bien. T'es pas mal. T'es pas mal, t'es pas mal. Attendez. Oui, alors. Vous avez trouvé le médecin? Oui, il y a Daphné qui est juste là. Ah, bah voilà. Voilà. Ah bah c'est Daphné. Il a pas vu venir le cavalier. Il a pas l'air bien le petit. Ah ouais, non, ils ont fait un sacré roulé-boulé. Hein. Ah bah oui. Oui, mais il a quand même trouvé la force de jouer à la roulette après quoi. Oui, ils ont fait un soleil entre un cheval et un cheval. Vous avez croisé les marchands? Ah non du tout. Pas ici, mais on les a croisés à d'autres endroits. Non, je me suis dit que vous êtes rentré dans dans un marché parce que eux, ils déboulent à fond. Hein. Oui, c'est vrai que par contre, eux en pleine ville, ils s'en foutent. Hein. Ah complètement. Ah, le problème, c'est que j'ai voulu les amender, ils se sont pas arrêtés. J'ai pas dit qu'ils se laissent amender, mais bon. Mais l'ancien appli de recherche, hein. Mais grave, mettez une prime de 2$ sur les Marshalls. Sur les Marshalls, et j'ai compté, ils sont passés à 10. Putain. Ça va remplir les caisses. Ah oh bah oui. Ils sont pas en dessus des lois. Enfin, je crois pas. Non. Bah, normalement, non. Hein. Normalement, on est. Les shérifs sont au-dessus des Marshalls sur leur comté. Dis-moi, tu m'as dit que c'était bien sûr qu'on pouvait acheter des bijoux. Ah, faut voir avec le bijou. Oui, c'est juste ça. C'est le monsieur là. Bah, ou sinon, il y a direct à la boutique. Hein. Bah oui, c'est pour ça. Mais C'est là, là. Hmm. Dommage que je puisse pas acheter des tickets. Ouais, on va voir au salon. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. On va voir au salon. Si jamais. Allez, petit tequila, là. Tu vas éviter de me prendre un coup de sabot. 5,10. Faut pas qu'on se fasse attraper, quoi. Ils ont fait le plein de nourriture, le plein de bornage. Bonjour. Ah, bonjour. Allez, bonjour. Et sûrement qu'à Tumbleweed, ils vont faire le plein de munitions. Bonjour ici. Bon, je regarde quand même hein, si on trouve une bonne surprise à la fin. Non. En bas de l'étagère, il n'y a pas un petit ticket qui traîne. Ah, rien du tout. Eh mais y'a même pas de tequila, mais je rêve, y'a des liqueurs de filles. Non mais tout fout le camp. Tout fout le camp, attends, si on peut même pas trouver tequila à Armadillo, y'a un problème là. Y'a des tartes vraiment. Au poire mais y'a pas de tequila, c'est dingue non? N'importe quoi. Y'a du vin rouge. Oh ça rappelle les souvenirs, allez je me fais un petit verre de vin rouge moi.
Il y a du jus de framboise, mais il n'y a pas de tequila. Bah, bien sûr. Non, mais hey, c'est quoi là, c'est quoi ce saloon là? Qu'est-ce qu'il. Non, mais oh, il a perdu un petit peu la base là, hein. Bon, par contre, vous avez vu que les jus de framboise, les jus d'orange, tout ça, c'est pas très cher, hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça. Voilà, ça calme un petit peu la soif, mais c'est pas incroyable non plus, quoi. Ah, j'en avais acheté un petit stock au cas où, mais. D'accord. J'ai l'impression que le multifruit, faudrait que tu vois, mais j'ai l'impression que ça nous. C'est mieux. Ça nous aide un petit peu mieux à calmer notre soif. Mais bon, moi, une petite bouteille de vin rouge, là. Hop, toute la bouteille. Eh. Ah bah oui, ouais. Ça va pas mieux, votre problème, là. Comment ça? Bah, je sais pas, enfin, au goulot, comme ça, maintenant. Oh, bon. On me donne pas de verre. C'est vrai. Puis je vais pas boire ça dans un verre qui n'est pas à pied, en fait. Vaut mieux boire la bouteille, dans ce cas-là, hein. Effectivement. N'importe quoi. Entre gens civilisés, c'est. On va boire ça dans un shot ou un verre à whisky, là, faut pas déconner. N'importe quoi. Dans une tasse ou un bol. Non, mais. S'en fout. Dans une chope. Dans l'eau, jauge fou. Non, mais. N'importe dans quoi. Un gobelet en fer. Oui, voilà, c'est ça. S'en fout, hein. Eh ben, on amende. On amende. Je vais rattraper. Eh ben, il est pas incroyable, mais il est mieux que ce que je pensais. Charcoal, et puis. Il y a l'un d'entre vous qui parle très fort, je sais pas qui c'est. C'était moi, excusez-moi. Ah pardon, pas de problème, pas de du coup, demain, si tu veux, on se rejoint sur Strawberry ou un peu... Ah, je vais lui mettre Gaël ou un peu. Je peux passer au salon de Sylvain. Ah, je sais pas. Il y a quoi chez le barbier? Sur leur comté, au-dessus de... Ouais, d'accord, super. C'est le coiffeur. Ah, on peut changer. Ah oui. Et paf. Waouh. Mais un magasin de vêtements ici? Bah oui, apparemment. Ah, un magasin, je sais pas, je pense pas. Un magasin. Je pense pas, hein. Je pense que c'est dans le... Ouvrir coffre. Non. Mais du coup, on peut changer si, de tenue, mais pas changer sa date. Ah si, on peut s'asseoir. Là. Ah si, mais ici, on peut. Oui. Ah oui, c'est magasin, oui, ici. Oh, mais je vois ça, un peu c'est... flou avec le vin, pour le meilleur moment. Si vous voulez vous faire pousser une moustache, c'est ici. Oh, c'est chouette, ça. Ah oui, magasin, ici. Mais, là... mais c'est fou, il y a tout en une petite pièce comme ça. Bah, tout y est collé. Oula, oula. Ah bah oui, d'accord. Raser cheveux gratuit. Non merci. Ah, c'est sympa qu'ils te le fassent pour payer. Ici c'est le magasin. Ah oui, c'est pratique avec les. Avec les chaises devant. Ah, et puis on voit un peu sombre. Bah oui. Oui, il y a un téléphone ici. Bonjour. Ah, il est pas raccordé. Ah oui, je me disais aussi. Ah, et ici je peux toujours. Oh, bah je vais sortir. Et je n'oubliez pas de noter. Oh, c'est pratique, c'est à dire. Je m'appelle. C'est vrai. On a tout au même endroit. Oui. Max Delay. Bon alors, vous l'avez rafistolé ou pas un peu, le bonhomme? Bon, ça va. Pas être trop de casse? Non, ça va. Bon. Ouais, j'aurais juste une cadeau sympathique. On va pas déranger. Oui. Ah ouais, ouais. Les nuages au secours. À cause de la taille, ça. On peut peut-être demander à madame. Monsieur Dama qui a peut-être demander à madame Daphné si elle a vu madame Pearl. Oui, oui, bah c'est ça. Daphné, ça m'avait manqué. C'est ce que je voulais demander et puis bah saluer en même temps, ça fait longtemps. Ah, ça marche. Non, mais c'est pas grave. Ça m'avait manqué ta patate. Il en faut une par jour. Voilà, c'est le minimum. T'as du mal à viser en ce moment, je trouve. Ouais. Ça m'a pris aussi tout à l'heure. T'es à moi du dos. Ben, c'est un réflexe. Ouais, ouais bah, ben, c'est trop près du cheval. On a encore perdu... Elle est partie se coucher. Ah, direct. Elisabeth. Ok, Elisabeth.
était crevé, il est parti dormir dans l'église. Attends. Il était où? Hey, Miss Daphné, ça va bien? Je ne les ai pas vus. Oui, ils sont partis, ils sont partis. Oui, ça va. Et ils ont été suivis par un... Oui, ça va, désolé, je voulais pas vous déranger pendant votre travail. Non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vous avez des nouvelles de Pearl? Vu que c'est son anniversaire, on voulait lui souhaiter. Ah, c'est aujourd'hui? C'est ce qu'elle m'avait dit. Je pense. Ah, merde. On l'a croisée lundi, elle a dit mercredi c'est mon anniversaire. Et elle a dit je serai là à partir de minuit. Mais son anniversaire c'était hier. Elle nous a dit mercredi, non? Quoi? Je crois qu'elle était censée le faire aujourd'hui, mais son anniversaire c'est le 9. Ah! Ah, bah, je l'ai vu ni hier ni aujourd'hui, tout va bien. Oui, mais ah bah, voilà. C'est une excuse. Oui, voilà. Est-ce qu'elle fêtait ou pas? Je crois qu'elle veut faire un truc avec Swen. Oui, c'est ça. Qui devait faire la tournée des bars avec elle. Mais sinon, je sais pas. Ok. Mais bon, vu que je l'ai pas croisée, je sais même pas si elle est déjà. Je pense qu'elle est même pas encore dans le coin. Mais c'est vrai que c'est étonnant qu'elle t'en ait pas parlé, par contre, si elle a prévu de faire la tournée des bars, surtout. Bah, c'est qu'en fait, quelqu'un lui a proposé. Ah, c'est j'ai cru comprendre qu'une copine à lui avait dit oh, bah tiens, je t'offrirai un verre dans chaque bar. Et elle a dit d'accord, c'est plus dans ce genre-là, quoi. Alors, non, ça c'est Moira qui lui a c'est Moira Pardon. Un alcool c'est sa fille qui l'a fait boire, impeccable. Non, bah, c'est Moira, je savais pas qui c'était. Mais du coup, sinon, je sais pas, je crois qu'ils avaient prévu de faire un truc en famille, c'est sûr, mais je suis pas sûr que ce soit aujourd'hui, par contre. Faudrait voir avec Sam. Bah, je lui envoie un télégramme au cas où. Ah bah, on n'est pas de la famille. Je sais pas si ton anniversaire c'est aujourd'hui ou demain. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle voulait faire qu'à partir de minuit. Ouais, oui, peut-être. Peut-être bien. Ça se dit. Il y a quelque chose. Je crois que j'ai foutu la merde. 5 à 7, chérie. Le score remonte. Ferme-la. Parce que je vais péter la gueule tout à l'heure. C'est pour ça les points. Donc vous êtes passé de ma sœur à chérie. Ah, vous êtes pas au courant? Ah bah non, moi je vous croise pas souvent hein, monsieur Dubois. Bah bon, là j'ai compris, c'est bon. ça fait quelques temps qu'on est ensemble avec la fenêtre. Mais c'est quand je vous ai croisé, les quelques fois on n'a pas spécialement parlé, je pense, tout simplement. C'est vrai, de comment ça va à vous d'ailleurs? Bah ça va, on est devenus des chasseurs légendaires. Légendaires. Des chasseurs légendaires? Oui. Ah ouais. On est entré dans la légende. D'accord. Voilà. On est devenus des... Vraiment, on approche, les animaux se méfient de nous maintenant. Alors faites attention, parce que le peuple des natifs libres de Wapiti, de Mekouille, ils aiment pas du tout qu'on chasse les animaux légendaires. Ouais, mais ils aiment rien, c'est ça. Oh oui, hein. Chaque fois, ils gueulent pour des trucs. De toute façon, à chaque fois qu'on chasse, il y a personne, alors bon. Oui, voilà. C'est que souvent, on a rien d'autre à foutre aussi, donc. Et puis, on est resté au moins 2 jours, là, en piqué, pour avoir cette panthère qui était pas une panthère, qui était en fait un coyote, alors c'est bon. Oui, parce qu'on avait... On l'a mérité. Oui, en fait, on nous avait dit... Il y avait une panthère qui était près d'un iceberg. On s'est dit, bah, on va aller voir, mais on n'avait pas des heures. Voilà. On est resté vraiment, mais... Bah oui, c'est ça, une journée entière. À attendre dans une forêt, sur un bord de chemin, avec Monsieur Duke d'ailleurs. Avec Monsieur Duke, on est resté... On attendait. Parce qu'on s'est dit, bon, bah on sait pas quand c'est, alors on attend. Et puis bon, un moment, un petit peu de frustration, Prosper tue un coyote qui arrêtait pas de rester dans nos pattes. C'était ça, la panthère légendaire. C'était un coyote légendaire. Voilà. C'est le coyote gris, non? Non, il était roux. Rouge. Ah. Ruby. Panthère, elle est au sud de Tumbleweed. Ouais, on nous a dit qu'il y en avait une. Eh bah oui, du coup, on avait des infos, mais qui n'étaient pas très complètes. Bah bon, c'était sympa, on a resté accroupi dans la forêt pendant 24 heures. Quoi. Dégradation de bien public. Bon, c'était rigolo quand même. Oui, c'est vrai. Bonne soirée, j'avais mal aux jambes. Bonne soirée. Et on a eu un crocodile aussi dans le bayou. Ah oui, crocodile du soleil. Oui, le crocodile du soleil. Mais raté, bizarrement, il arrive la nuit en fait. C'est un peu Non, mais je comprends que vous l'ayez raté parce qu'on a failli pas le voir. Hein. Il se cache très bien, on va dire. Il se camoufle. On l'entend plus qu'on le voit et on voit des traces, mais on le voit pas tout à fait lui. D'accord. Camouflage. Ah oui, il se camoufle super bien. C'était un crocodile caméléon en fait, un petit peu. Heureusement que les légendaires, ils peuvent bien avoir des facultés. Hein. Oui, bah c'est ça, on s'est dit, ah, c'est pas pour rien. Hein. Mais voilà, on avait essayé. Se fondre dans le paysage. Ah oui, celui-là. Il est bien fondu, oui. Ah ouais, heureusement que. Fondu.
Heureusement qu'il a fini par se démasquer en rentrant dans l'eau, parce que sinon on voyait rien du tout. Moi j'avais entendu gruit. Hein. Oui c'est vrai, toi t'avais entendu gruit. Il avait fait gruit, et du coup tout le monde se moquait de moi parce que j'avais entendu gruit, mais en fait il était là. Mais c'est un cochon ou un crocodile? C'est un cochon drill, je sais pas. En tout cas, il y a du soleil. Voilà. Ah oui, c'est vrai, il était tout doré. Incroyable. Il doit être... Bon, ça reste un alligator, c'est dégueulasse, mais ça doit être joli à voir, non? Oui, c'est joli. Bah après, il était pas immense, puisqu'on savait pas lequel ce serait. Et on m'a vendu de l'alligator blanc, je crois, qui est immense. Oui, pareil qu'il y en a un très gros. Ouais, mais c'est pas celui-là. Celui-là, il est taille normale. Le monstre du bayou, qu'il appelle. Le monstre du bayou. Ah oui, ah, je l'ai pas vu, ah, celui-là. Oui. Je crois qu'on m'a dit qu'il faisait 5 cailles. Non, on a aussi parlé d'un gorille doré. D'un grizzly, pardon. Parti en Afrique, moi. Un gris. Un gris. Un gris. Un gorille. Gare au gris. Oh là 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 là. Non, le par contre, la bête du bayou, là, il fait pas 5 cailles, il fait 5 shire, le truc. Hein. Quoi? Ah bah. Ah, il est si grand que ça. Ah oui. Ah, mais faut qu'on le voit, ça. C'est l'esprit d'un. Bah oui. Oh, c'est fou, ça. Mais il est immense, il y a comment, la carcasse elle a dû disparaître depuis, mais il y avait un shire qui était coupé en trois, le truc il avait gobé d'un coup quoi. Oui d'accord. Donc il est immense le machin. Il faut chasser la dynamite. Bah, et encore. Au harpon, comme les baleines. Bah qui se méfie le petit là, parce que nous, on va lui péter ses dents. D'accord. Chasseur légendaire. Légendaire. Et vous, comment allez-vous? Bon, ça va, ça va. J'ai délégué un peu de boulot à un autre à un collègue. Ah, vous n'êtes pas tout seul à être fossoyeur maintenant? Non, bah, bon, ça fait longtemps. Ah oui, vous l'étiez plus quand je vous ai. Oui, c'est vrai. Si, si, je suis encore fossoyeur, mais ça fait longtemps qu'ils sont là, eux, mais ils n'ont pas trop de. Comment dire? De clients, on va dire. Donc là, j'ai délégué un peu pour qu'ils travaillent, quoi. D'ailleurs, vous aurez des nouvelles de Nive? D'accord. Du tout. Du tout, ouais, du tout, pareil. Du tout. Ça va, Prosper? Lève les mains, je pense. Lève les mains. Je suis pas très bien, moi. Lève les mains, ça a calmé un petit peu ton... ta nervosité. Depuis que je chasse les crocodiles invisibles, je toque à des portes invisibles, vous savez. Vous disiez, monsieur Dubois? Non, du tout, j'ai pas de nouvelles. Je vais la contacter, là, je pense, pour savoir si elle a pas fait un genre de... Comment dire? Trop de boulot, tu le boulot quoi. Ah oui, d'accord. Okay. Un burn-out. Je vais aller à Tumbleweed juste faire un saut dans le cabinet. ah oui, faut que j'aille changer le masque sur Bichette, moi. Je te suis. Ok. Alors, quoi, tu viens avec nous du coup ou pas? Oui, si tu veux. Oui. On va à l'écurie. Ça marche. Bonne écurie. Je suis dégoûté, il n'y a plus de tickets à gratter à Tumbleweed. Faites attention, Tout à l'heure. Je vais peut-être ramener le bourré. On va retourner à Strawberry. Ah oui, on va gratter des trucs. Tumbleweed les a partis par là avec les Marshalls. J'aime ton idée. On y va en calèche. Allez, c'est parti. On va faire attention. Allez. Bonne soirée. À tantôt. Attention sur la route. Eh oui, attention sur la route, ça c'est vrai. Ça. Avec les petites lumières et tout, c'est chouette. Mais oui. Sur l'est, attention. La petite calèche. Oui. Hop là. C'est qui? Miskiara. Non, je l'ai pas vu partir, je crois. C'est pas du tout par ici que je voulais aller. Ah oui, oui, là vraiment, c'est complètement l'opposé. Attention au chien. Ah. Oui, bah il fait caca. Ça leur arrive. Oui, mais ils ont bien raison. Oui, bah après, peut-être qu'elle fête son anniversaire en famille et que ça dure un peu. Hein. Ah, c'est possible. Hein. Possible. Hein. Je vais voir si elle est là. Ah, elle est sur le Gartic Fun encore. Oui, elle est pas du tout là. Du coup, en fait, ce qu'on peut faire, on va à Strawberry. On envoie un télégramme à Monsieur Duke pour dire on est à Strawberry. Oui. Ou alors on peut passer par Blackwater, voir s'il y a Monsieur Duke pour lui dire on est à Strawberry. Oui, parce que c'est sur le chemin, il était là tout à l'heure, alors... Oui. Et puis pour voir s'il veut faire un truc. Bah oui. Ça semble être une bonne idée. Allez, on fait ça.
on lui propose une petite chasse légendaire là de deux jours. On va être ravis. Mais oui. Et toujours partant, monsieur Duke. Certains soumis des chiens apprécient ceci avec le froid, non, je pense pas. Parce qu'on les voit pas trop en fait. Là, j'ai discuté avec quand on faisait des pépites avec monsieur Duke. Ouais. Il disait que maintenant en fait il voulait plus. Il y avait eu trop d'histoires tristes en fait. Ah oui? Il y a trop avec monsieur Capoué qui est mort, oui. Avec sa fille qui était malade, avec. Oui, bah Capoué en fait, est resté aussi. Oui, puis madame Dixon elle est repartie. Bah oui, ils s'entendaient très bien. Et du coup. Du coup, il disait bah oui, bah. Puis moi, pas ça, c'est fini avec Daphné. Ah oui, il y a ça aussi maintenant. Du coup, il voulait des. Il voulait. Passer du temps avec des gens. Des pas gens prise de tête. Rigolos et sympas. Voilà, bah c'est nous. Rigolos et sympas pour prise de tête. Ah bah ça, c'est complètement nous ça. Si vous cherchez des gens. Rigolos et sympas. Pour prise de tête et sympas. C'est nous. On prend juste 3$ de l'heure. Louez-nous. Eh ben c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Se faire louer. On s'achète une calèche. Avec des jolies couleurs. Vous avez vu, c'est un peu une obsession. Mais une petite calèche avec des jolies couleurs. Je sais pas du tout où je vais, mais j'y vais. Et du coup, on dit louez-nous. On est sympa. On n'est pas prise de tête. Et on fait de la pub, on partage, on va de ville en ville. Ouais, on peut même se faire louer à la photo aux enchères. Oh! Mais ça, je sais qu'il y avait déjà eu, mais une soirée pour célibataire aussi. Hein. Oh! Mais je sais qu'il y avait déjà eu parce que c'était, je crois, la voyante bah, Dixon. C'est ça. Jeunes messieurs. Exactement. Ah ouais. Pour un dîner, par exemple. Elles achètent un dîner. Ce serait pas mal. Elles achètent. Mais bon. Après quoi. Une balade à cheval ou en calèche. Oui, voilà. Un service, des services en fait. La vente, ça mais pourrait être des services, même pas forcément romantiques, simplement. Simplement des petites choses sympas. Genre venez, vous pouvez acheter mes services, je vous répare votre tuyauterie. Enfin, il y a des gens qui ont besoin, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Je vous aide à faire ci, je vous aide à faire ça. C'est ça. Il faudrait qu'il y ait des gens qui ont envie de faire ça aussi. Mais ça créera des rencontres, et c'est ça qui est bien. J'ai failli me prendre un caillou. Oui, j'ai vu. Mais c'est parce qu'on est des aventuriers maintenant. Oui, on a plus peur de grand chose en fait. Ah non. Est-ce qu'on irait pas dire à tous ces nadifs qu'on les emmerde et qu'on va chasser des trucs légendaires là? Non, peut-être que je presse un peu le pas là. Écoute, faisons ça au milieu des shérifs si tu le veux bien. Oui. Voilà. Hein oui, une chose à la fois. D'abord une chose à la fois. Voilà, devenons légendaires et après voilà. Et ensuite on verra bien pour le reste. Et Nadia, non, il stream par... Enfin, c'est la tanière de Booba, il s'appelle, et je sais qu'il a stream. Ces derniers temps, je sais mais pas du si Overwatch. Tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins mènent à Blackwater, apparemment. Mais ça, c'est notre instinct, ça. Ça nous mène toujours à Blackwater. C'est ça. Et oui, ça va, et toi? Attends, je regarde s'il stream là, mais je crois pas. Hein. Non. Non, non, non. Mais bon, ah, peut-être qu'il va s'y mettre. Il y avait des panneaux qui menaient là-bas, mais j'ai essayé de pas y aller. Les panneaux mènent à Blackwater. En fait, il pense si ça de temps en temps. Ouais. C'est pas Rome, c'est Rhodes. Oh, mais c'est pas con ça. Et bon, j'aime bien le duo. Ouais, ouais, on se complète bien, c'est assez marrant. Et on a le même état d'esprit, du coup, ça le fait. Mais je pense qu'il va se mettre à stream du RP parce qu'il a repris le stream, genre il y a très peu de temps, quelques jours. Et je pense qu'il va refaire du RP. Ça fait un petit peu peur parfois les virages quand même, je sais pas si... Oui, je sens qu'on penche hein. Ah mais... on a pas une super adhésion au niveau du sol. Non c'est ça. On va ralentir je pense. C'est quoi un galop de calèche? Bah c'est ce qu'on faisait avant. Ah, peut-être ça. Ah j'imagine. Clouk. Ah oui, là c'est peut-être... C'est, on dirait... Oh, c'est peut-être un grand trot. Un trop gros galop. Ah oui. Un trop gros trot. Ah, c'est joli. C'est vrai.
Ah, il était ici tout à l'heure, il y est plus, on dirait. Il est mobile. Pas dans le saloon. On va peut-être aller m'acheter à manger. Ou alors à Strawberry. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi. Faudrait que je mange, en tout cas. Ah oui, merci beaucoup, Infernalou. Est-ce qu'on envoie... On attend... Ouais, on va peut-être... Il était pas dans le... Parce que ça se trouve, il y sera. Oui, je vais aller voir. On va voir quand même dans le salon, et sinon on va voir à Strawberry. Je pense que j'ai rien vu dans le salon, mais... Et sinon, j'ai checké quand même, et j'ai regardé quand même mes télégrammes. Mais à la limite, checker, envoyer peut-être un truc en disant « On va à Strawberry. » Pour claquer notre oseille à Monsieur Duke. Monsieur Duke, ça marche. Par acquis de conscience, je vais aller voir au saloon quand même, mais je pense pas. Oui, on ne sait jamais. Alors. Alors. Tic-tac-touc. Allez, petit télégramme. À Monsieur Duke. C'est quoi déjà ? La Duke. YC-154. Je vais mettre à la fin. Strawberry, je vais mettre. Hop là. Heureux. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Duke. Pas de nouvelles de la petite Pearl. Son anniversaire en famille pour le moment. Avec Prosper, on a décidé d'aller claquer notre argent en jeu à gratter au saloon de Strawberry. Ça vous dit, vous trouverez là-bas. Hop là. Cordialement, Denise Duval. Telegram, du coup, c'est quoi ? C'est YC-154. On a décidé ER quoi. Et pas d'accent. Hop là. Let's go. Let's party. Je vais conduire la calèche. Oh. J'ai l'impression de conduire un paquebot. C'est plutôt chouette. Attention petit chien. Attention, tu es sur le chemin. Tête du gouvernement qui est toujours la bienvenue. J'ai un peu des sous là, je vais peut-être en déposer, non ? Je vais mettre là-bas, je sens pas du tout l'assist. Et voilà. Hmm.
C'est bien, petit paprika. Non, ça, tu vas pas. Faudra que je trouve autre chose. Voilà, nous, on est cool. Non, faudrait que tu lui comprennes ça. Dame Denise. Oui, j'ai entendu dire on est cool. Non, ah bah oui, c'est vrai qu'on est cool. On est cool. C'était on est cool par rapport aux natifs, nous on n'a pas volé de terre. Enfin, vous, Mme Denise, vous n'avez pas volé de terre, je pense. Oh, bah je. Bon, je connais pas après toute la généalogie de ma famille, quoi, mais de ce que je sais, on a pêché. Vous avez pêché? Ah. Des poissons. Ah, ouais. Des poissons. Ah, d'accord, oui, bon, bah, dans ce cas-là, oui. Vous êtes pêcheuse? Ah, bah, mes parents, enfin, mon papa l'était, et son papa avant lui aussi. Moi, bon, je m'en détache un petit peu, parce que bon. Et avec cet arc dans votre dos, vous êtes chasseuse? Oui, on est des chasseurs légendaires. Légendaires. J'ai un petit peu déjà raconté qu'on était légendaires. Bah voilà. Les gens vont penser qu'on se vante un peu. Oh, on n'est pas du tout. Surtout qu'on a chassé deux animaux, on n'en peut plus. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est un petit peu un petit exploit pour nous, donc on était... Oh, mais bien sûr. Voilà. C'est tout à votre honneur. Ah bah merci beaucoup. Et vous, que faites-vous donc? Vous êtes des shérifs? Oh non, pas du tout, pas du tout. C'est avez... reparti. Oh pardon. Alors, sinon, vous pouvez m'appeler Marshall, chasseuse de prime, tueuse à gage. Ah mais c'est qu'en fait, vous inspirez l'autorité. Bah là, c'est parce qui, qu'en vous fait... Vous deux ou seulement l'une d'entre vous? Ah vous deux, vous deux. Bah, le duo quoi, le duo, on dirait presque... Bien. On dirait presque des agents fédéraux. Incroyable. Mais c'est parce qu'en fait, les shérifs, ils sont souvent noirs en fait. Oui aussi. Et ils ont souvent des grosses voix comme ça qui font ouais, d'accord. J'ai une grosse voix. Ouais. Non, mais comme ça, vous les reconnaissez? Oui, bien sûr. Oh, oui, c'est vrai qu'ils jouent les grosses couilles. Oui, voilà, ah, c'est bah, bien j'ai dit. J'ai pas été regardé, mais oui, c'est sûrement ça. Bah, c'est pour ça qu'ils se les touchent un peu quand ils se touchent le pantalon, là. Ça se remet les gros lents en place toutes les 5 secondes, là. Ils se font des petites... Ouais. Ah oui, ça a explosé. Ah bah surtout qu'on les a... On en a croisé quelques-uns aujourd'hui, là, ils sont... Incroyable. On a croisé partout. Ça fait deux fois qu'on les cherchait, deux fois qu'on les trouve pas. Mais ils sont sur les routes, en fait. On les a pas beaucoup croisés, en sur les routes. Oui. Parce qu'ils ils cherchent des apaches, alors ils les cherchent sur les routes. Voilà. Ah, ils les cherchent sur les routes, donc c'est pour oui, ça tu qu'on croise des groupes de 10 personnes. Exactement. Que, d'un côté, on nous dit, oui, évitez les groupes, essayez de les éviter au possible. Quand on les évite, ils viennent devant nous, ils disent, mais pourquoi vous nous évitez? Il faut savoir. Oui, mais c'est vrai, tu sais qu'on les reconnaît surtout pas de loin. On voit, voit tout un tas de gens qui nous attendent sur la route, bon, bizarrement. Ah, jusqu'aux dents. Bizarrement, on se dit, oh, je vais peut-être pas foncer dedans comme ça. Hein ah, si vous commencez à écouter ce qu'ils disent les shérifs... Oh bah surtout qu'ils sont pas tous d'accord alors. Oh là là. C'est ça. Et comment ça se fait qu'ils ne soient pas tous d'accord? Bon, je sais pas. On a croisé des shérifs tellement différents en fait. C'est les gens qui se prennent au sérieux ça. Oui. Après tu vois Eleanor, tu as les shérifs et tu as les chialrifs, d'accord? Tu sais que Holden faisait partie des chialrifs je pense. Ouais, les chialrifs. Et les martials aussi. Les martials aussi, oui, j'ai bien connu, t'inquiète pas. Ah c'est pas mal ça. À la réunion... Les gens d'ailleurs dorés. Mais j'en ai. Le groupe auquel j'appartenais a été convié, on devait parler seulement à la fin, ils ont fait que ouin ouin. Mmh, oui. Ah oui, ça ouin ouin. Ah oui, non, mais ouin 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 ouin. Dans le côté voisin, oulala. Ah oui. Oh, ça pleure, oh là là, que ça va pas, on n'arrive pas à tenir la justice en place. Mmh. Oui. Ouais, d'accord. Ah. Bonjour. C'est spécial. Bonjour. Et ben là... Oh, pardon. Oh, ah, j'ai une moustache, monsieur. Merci. On n'entend pas très bien le monsieur. Et je parle pas fort, c'est pour ça. Ouais, ah, voilà. C'est bien pour ça, hein. je vous entends très faiblement, il y a un chuchotement limite. Et vous avez un accent, vous, madame? Vous venez de quel coin? Allemagne, Dortmund. Oula. Vous avez comment? Baron Helga Katrina von Hofmeister, enchantée. Oh, à vos souhaits. Tu vois, Helga? Appelez-moi simplement la baronne. Oh, ah bah oui. J'aime ah beaucoup. La fois où je te dis heureusement qu'il ne t'ont pas dit à tes souhaits. Mmh. Là, ça te le dit. Le monsieur derrière veut que tu te retournes. Yam. Ah ouais, c'est bien vous. C'est-à-dire Moi, je m'appelais François Pichon. Ah. Elana. Oui. Écarte-toi, je te prie. Pichon. J'ai envie de prendre pour mon grade. Oh là! Il est peur, il est peur. Eh bien, je fais. Je fais comme les opossums. Quand j'ai peur, je.
Ah oui, attendez, comme ça. Alors, Pichon. Oui. On aurait mis une étoile de chien à la rive. Bah ouais. Là, je vois que non. Par contre, dommage. Nine. Dommage. Nine, nine. C'est bon. Vous voyez, Pichon, je suis plus sadomasochiste. Elle l'était au moment où on est allé demander comment se faire recruter. Il n'y a même pas 10 minutes, 20 minutes. Je dis ce que j'ai entendu et vu. Là, ça je me renseigne plaisir, simplement. Ah, vous pouvez me demander, c'est moi qui gère tout. Hein. Shérif en chef de comté. Non. Non, non, disons que j'ai l'accès au coffre, c'est moi qui ai l'accès au carnet, c'est moi qui ai tout fait. D'accord. En nous inspirant, enfin, en vous inspirant de notre ancien travail. Oui. Enfin, ça dépend de quelle personne. De Billy Bud. Ah, que des. Allez, quand on m'a suivi le porteur, là. Oui. Bon, écoutez, nous on avait prévu d'aller à Strawberry. On vous souhaite une très bonne soirée, mesdames, bien, en tout cas. Très bonne soirée. Et à monsieur, vous et ce fut un plaisir. Adieu. Allez, à tantôt. Oh, Francisco, je vais vous payer. On en fait des rencontres quand même. Ils sont bizarres, non? Oui, un petit peu. Il fait bonjour, je suis Pichon. Black! Ah, ya, monsieur Pichon! Après, moi, je connais pas bien les Allemands, mais c'est peut-être comme ça qu'ils disent bonjour. Oui, j'ai l'impression. Oula! Oh, oula! 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 Comme il dit, va ton bijou, là. Oui, d'un seul coup, là, je me suis emballé, dis donc. Ah bah oui, mais dis donc. C'est très bizarre. Ah bah oui. Ça s'appelle comment, d'ailleurs? Celui-là, je sais pas. Oula, attention, monsieur! Désolé. C'est pas grave. Pas de soucis. Non, mais tout le monde ne conduit pas droit aujourd'hui. Chevauche de travers. Comment qu'on peut l'appeler? Tout à l'heure, j'ai dit paprika, mais c'était nul. Ah oui, mais il fait. Comme c'est la. Je sais même plus comment on l'appelait. La Steel Mobile. La Steel Mobile. Comme c'est la Steel Mobile. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas trouvé. Oh, je sais! Vu qu'il est marron foncé, on peut l'appeler Whisky. Ah oui. C'est marron foncé le Whisky? Non, c'est plutôt clair. Ah. On peut l'appeler café, coffee. Coffee. On peut l'appeler ex cappuccino. Oh, ouais, mais ça va exciter les Italiens, ça. Bon, Nesquik, c'est déjà pris. C'est ça? Ah oui, Nesquik, ouais. C'est sympa, c'est mignon, c'est bizarre, mais ça m'inspire un cheval marron, moi aussi. C'est vrai? On peut l'appeler quoi? Chocapic. Mocaccino. Mocaccino. Mocha. C'est bien mocha. Mocha, c'est pas mal. Mocha, c'est. Ça va? Eh, hey, voilà, c'est exactement ici que je voulais aller. Ça m'a. Ça m'a expulsé. Je vais regarder si j'ai mon petit marteau. Ah, mais c'est même plus ma calèche. Comment ça? Bah, c'est une calèche, mais c'est pas ma calèche. Le mocha, il a failli boire la tasse. Je l'ai fait, Fence. Je vais aller à Strawberry et puis je changerai le... Oui, hein. Ah. Sinon, j'appelle Bijou, tu sais. Mais non, soyons fous, soyons. On est des aventuriers légendaires ou quoi? On est légendaires. Allez, c'est parti pour la légende. La légende de la conduite. Oula. T'es ici? C'est ici. Incroyable. C'est parti. Quoi? Récompense, voyage. Bon. Quand ça tourne, ça tourne. Hein. Qu'est-ce que j'ai eu là? Ah oh bah oui, non mais oula. Continue tout droit, mais oui, fais ça, mais oui. Ouais, bah, fais ça, oui, voilà. Exactement, très bien. C'est ça, ouais, bah, va où tu veux. Bah, on voulait aller à Strawberry. On va l'appeler Furieux plutôt. Hein. Ouais, on pourrait pas l'appeler Idiot plutôt.
Ah, c'est même pas là, super, ouais, c'est même pas là, bravo. Oh, heureusement que c'est pas ma calèche parce que je le déteste. Dans les deux côtés, on pouvait aller. Attends, je suis tombée. Ah. J'ai rien fait, mais j'ai l'impression que parfois ça m'expulse un petit peu. Ah oui. Voilà. Et j'étais pas bien si. J'aimais pas comme j'étais assise, j'ai préféré partir. Elle est moins confortable que la mienne en fait, c'est pour ça. Ah oui, non, mais vraiment ça va pas, hein. Ouais. Après, quand on parlait de se la péter, on parlait pas de la calèche, quoi, c'est... Non, ouais. Bon, une chance que c'est pas la mienne, quoi. Donc on a pris un... Après, je me demande, vu que moi je l'ai conduite, est-ce que peut-être voilà, le cheval il savait plus et il considère que c'est plutôt ton maître. Oui, c'est ton maître. Il m'a oublié. Est-ce qu'on l'appelait... Oh, on va l'appeler Dory. Oh, Dory, c'est très bien. Je pense à Alzheimer, mais c'est un petit peu... Il faudrait l'appeler Al, quoi, alors. Non, Dory, c'est bien. C'est très bien, ça. Le côté tourné en rond, tout ça, c'est parfait. C'est ça, pas savoir qui je suis, alors que c'est ma calèche. Oui, je pense qu'on a... Ah oui, d'accord, non mais... Alors, faut arrêter de me virer comme ça, s'il te plaît, Dory. Non, mais on a connu la même personne, quoi. Ah bah ici, elle se souvient de moi. Mais c'est quoi cette affaire? Et voir le prix des chevaux, tiens. Andalusia. Oh. Waouh. Regardez-moi cette bête. Il y a combien celui-là? 35, hein. Oh, il est beau celui-là, en hongrois. Oh, il est combien celui-là? Ah, il est 80. Ouais. Les autres chevaux qui sont là? Oh, on a des chevaux mourants, ok. Oh là là, ils sont à 300 et quelques tous ces chevaux-là. Non mais d'accord, mais d'accord. Et une mule zébrée à 250. Mais what is the fuck? Ah, c'est celui-là, c'est le Shire, celui de Monsieur Duke. Moi, il m'en faudrait un plus petit, moi. Il est beau celui-là, hein. Il est tout musclé là. Moi j'aime bien. Bon, on verra. Mais stylé, stylé. Alors ça va, tu t'en sors? Bah j'essaye de la rendre. Mais ils me disent faut la rendre près de l'écurie. Bah oui, on y est. Compliqué, hein. Ah ouais, c'est fastidieux. Oh là là, il pleut. Retourne à l'intérieur. Tu l'as rangé? Oui, il fallait la mettre là-bas au loin. C'est bizarre. Oui, c'est un petit peu étrange.
Ça doit faire tout doux la boue sur tes pieds. Oui, c'est rigolo. Ça fait un peu. Ça passe un peu. Ça passe un peu entre les orteils. C'est voilà. Tuette. Ouais, ça faut pas marcher dedans, ça. C'est rigolo aussi, mais ça sent pas bon. Ouais, c'est un peu le risque du métier, quoi. Oui. On n'est pas à l'abri d'un caca. Mais les temps vraiment, même en chaussures, finalement. Oui, bah c'est ça, en fait. Hein. En plus, selon le type de chaussures, parfois, ça va dans les interstices et tout. Oui, c'est ça, les interstices. Les interstices. Qu'est-ce qu'il fait là, cheval? Il attend. Il est joli. C'est quoi comme cheval? Je sais pas. Moi, je sais pas. Ouais, je vais lui dire de partir. Oui, parce que des fois, ils peuvent devenir timides. Vas-y, va. Il est mexicain. On a rien à péter. Yolo, shadow, là. Faut partir. Por qué te vas? Un, dos, tres, Maria. Ah non, c'est un trotteur américain, pardon. Ah oui, tu l'as insulté, là. You can go away. Stop. Let it go. Petite bille. Bon bah il veut pas, hein, il est têtu comme un américain. Bon bah c'est bien, on l'a excité, puis maintenant on le laisse là. Oh bah oui. Prochain qui va passer à côté, paf. Il va se prendre une tatane. Ah, bien fait pour sa gueule. Oui. Mais je regarde un petit peu les chevaux qu'il y avait à l'écurie là. On a quand même des traits beaux. Il y en a aussi des très chers. Des très chers. Oui, il y en a 350. Ouais, c'est fou. Ils ont l'air tout normaux en plus. Ils ont rien de spécial. Plus, oh si, il y a un âne zébré. Un âne zébré. Ah oui, mais celui-là, je le veux. Il est trop beau. Mais 350 aussi. Hein. Ouais, mais ça les vaut, c'est zébré. Par contre, il est zébré. Ouais. C'est alors, pas il est magnifique. Studio, hein. Ça où ça? Ah oui, à droite. Ah, peut-être bien, oui. Oui, bah oui, on a mis tellement de temps à arriver aussi. Attendez, je vais regarder. Sinon. Zombie. C'est un comme Monsieur Duke, mais je sais pas si c'est le sien. Ah bah c'est maintenant que Perla me répond. Ah. Me dit, je suis Armadio pour El Moment. Ah. Ah non, on n'y est plus depuis où de moment. On va quand même voir. Oui. Ah, je crois que t'as marché dans du caca. Hein. Oui, un double, ça s'annule. On rigole bien. Je pousse un peu. Ah bah poussez. Poussez madame. Et j'y pense, on n'entend plus parler des bons durants. Bah j'y pense. Bonsoir. Ça me fait des vacances. Bonsoir. Ah. Ah. Vous auriez pas vu Monsieur Duke, Monsieur pas Duke. Oh, si c'est pas Duke, qu'est-ce qu'il connaît, Monsieur Duke? Bon, moi je vais m'acheter des tickets. Hein. Ça va bien, la fièvre du jeu. Et je m'en achète 2. Et puis on voit. Allez, je vous suis dans votre addiction. How are you, Bess? Oh, bah ça va, Monsieur Eo. Oh! 10$. Perdu. Ah. Je devrais pas commencer par le haut. Moi, je commence toujours par le bas, mais j'ai tout perdu tantôt. Allez, c'est parti. Oui, j'aurais pas dû. J'aurais dû l'offrir, je savais qu'il était perdant. Mais c'est pas possible. Oh, j'en ai essayé un. Hein. Vous savez quoi, moi, j'en essaye pas.
Oh, toi, t'as déjà gagné une fois. Moi, j'ai jamais deux gagné. Fois. Deux fois j'ai... Ah, mais oui, allez, deux. Là, tu viens deux de gagner. Deux fois 10 dollars. Mais j'ai reperdu à chaque fois. Ou alors, j'en reprends pour. Ah non, prospère. Non, mais c'est une honte. Bah, allez. Faut faire ce qu'il faut pour être riche. Mais toute façon, oui, puis en plus, de toute façon, là, je me balade, j'ai genre 25 dollars. C'est beaucoup trop. Et si je me fais attaquer, j'aurais tout perdu. Ça m'insupporte, là. En plus, faudrait que je rachète cette perle que je suis en train de gratter. Pour être tout à fait honnête, je pensais que vous les aviez déjà grattées. Et non, je pensais qu'on la croiserait à Mandillo, alors j'ai pas fait la folle. Allez, souffle sur le ticket. Bon, je vous le dis pas. Moi je gratte, tant pis. Non mais ça dégoûte. Ah non. Bon, je vais lui racheter. T'as gagné combien? Bah redis. Bon. Moi j'avais dit 3 pour peur là. Ça va me détester. Pourquoi moi je gagne jamais? Vous avez fait quelque chose à des chats noirs? Vous avez lancé des chats noirs d'une échelle? Mais non, j'adore ça. Vous avez cassé un miroir sur un chat noir sous une échelle? Bon bah j'arrête. Hein. Le désespoir. J'en ai gratté en tout 2 tout à l'heure. Il a 4. Oh, qu'est-ce que j'ai gagné là? 5. J'en ai un ticket à gratter. Ouais. C'est chouette. D'accord. J'ai plus que 12 dollars. Ah ouais, quand même. Non, mais ok, bon. Bon, oui, alors, je sais pas comment ça marche ce truc, mais voilà. Moi, j'y ai pas le droit, moi. Donc, en fait, là, j'ai gagné 3 fois 10 dollars. Moi, j'ai gagné 3 fois 0. Est-ce qu'on irait vous faire exorciser J'ai pas confiance. Attendez, attendez, j'ai une idée. Moi, j'ai une petite omelette aux patates, là. Hop. Voilà. Allez-y. Et tu penses? Allez. Peut-être quand c'est moi qui les achète, ça marche. C'est gentil. Bon. Ouais, y a grosse différence, non? Oui, d'accord. Vous avez déjà joué les deux? Non, non, j'en ai joué qu'un. Non. Allez, le dernier. Seul, là, vous avez fait. Là, le dernier. Enfin, le dernier, les autres, c'est pour peur, là. Ah, vous voyez, là, j'ai reperdu les deux. Oh, gagné! Oh, combien? 50. Ah, ben voilà. Ah, oh, bah, je me sens bien mieux, là. Allez, je vais rejouer. Allez. Non mais on a beaucoup trop sur nous après. Oh, j'ai jamais eu autant sur moi. Allez, j'en rachète 2. T'avais raison finalement. C'est peut-être toi qui vas devoir me les acheter, hein. Ouais, mais depuis que je vous les achète, je gagne plus moi. Ah ouais. Ça, si je gagne, je t'en achète. D'accord. Faire. Ah non, j'ai perdu. Allez, je vais doucement. Mauvais signe, ça.
Ah, j'ai regagné un ticket à gratter, super. J'ai encore perdu. Bon, j'en ai essayé un dernier. Oh, c'est mauvais signe, ça. Oh, j'en donnerai deux à Pearl. Bon, celui-là, c'est 50. Oh, bien joué. Enfin, je sais pas, non, je... J'espère. Ah oui. Bon, allez. Allez, le dernier. Bon, 5, ok, allez. Je pense que t'as quand même pas mal plus gagné que moi. Hein. Bah, j'ai gagné 35. C'est pas mal, hein. Et au final, je suis riche comme quand j'avais gagné 10. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Allons-y. Attends, attends. Ah, c'est un dernier pour la route, c'est ça? Oui. Bon, attends, deux derniers pour la route. J'en offrirai deux à peur, c'est pas grave. Et salut, Lulu. Bon, décidément, quand c'est pas toi qui mets offres, j'en ai pas. Dis-moi tout. Si jamais on donne à Pearl les 4 tickets, ou les 6... Attends, tu lui en donnes combien, toi? 200. Oh, ouais. J'en avais prévu 3, mais apparemment c'est plus que 2, ça. Donc ça fera 5. Sinon, j'en rachète un. Hein. Vous allez le gratter, je vous connais. Allez, on s'en va. Attendez, j'ai le dernier pour la route. Attention. Oh, j'ai une idée. J'ai une super idée. Oh, zéro. Ah oui? On fait une strat. Je t'achète ton tien, tu m'achètes mon mien. D'accord. Non, c'est pas que ça lag, c'est juste que le comptoir il bug parce qu'en fait c'est une texture rajoutée sur un meuble et ça fait bugger. Alors attends, je t'offre ton tien. Et comment je le reconnais? Ah mince, comment je le sépare? Oh bah c'est pas grave, je t'offre les 3. Ah. Ah mince, j'ai utilisé. Ah. Bon bah non alors. Attention, je vais ouvrir le mien. Ok. On n'a qu'à dire que c'est... on se l'était offert. Oui, voilà. Ah bah bravo, vous avez vraiment pas de chance avec les cadeaux que vous me faites. Non mais ils sont tous pourris. Allez, on arrête. Ouais. J'ai gagné 50, mais j'ai dépensé combien? J'ai combien sur moi là? 42, ça va. Ah merde, j'ai acheté un pour au caramel. J'ai référence à hier. Ah oui, non, mais c'est bon, j'ai trouvé la source. Bon, bah, partons. Enfin, je sais pas en fait. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Ah bah on perd hein. Est-ce que si c'est parti? Allez, je m'en vais. Tu viens d'en refaire un là? Ah ouais, c'est n'importe quoi là. Sinon on va chasser tout à l'heure pour se payer des tickets. C'est ça en fait, on est... Ouais, je pense que c'est l'idée me plaît bien hein. Ah oui, mais ça me plaît bien, mais l'idée d'être pauvre me plaît moins, moi. Non, mais c'est pour ça qu'on va chasser. Ah oui, comme ça on est riche, le temps d'acheter des tickets qui nous rendent pauvres. Exactement. Bon. Qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, donc... ouais, je suis bien fauché. Zambieux.
Bon, Pearl et Armadillo, on y va? Allez. Allez. Je lui dis quand même qu'on la rejoint, qu'elle me prévienne au cas où elle bouge. Oh bah du coup, oui. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit à Monsieur Duke, changement de programme? Ouais. Vous le dites? Je le dis? Oula. Ah bah j'ai pas Monsieur Duke. Ah bah je lui dis, je lui dis. Oui. Bah t'as beaucoup d'argent. Duke, ah oui, ce serait peut-être pas mal que je dépose mes sous à quelque part avant. Ah oui. Monsieur bah, Duke, c'est... Blackwater. Oui, Blackwater, oui. Monsieur Duke, c'est YC154. Et la petite, c'est CL okay. Quelque chose, CL635. Hop. Ça marche pas. Je voulais mettre. Je me demandais, même si elle est pipe, est-ce que deux tickets ça fait un peu pingre ou pas? Ouais, écoutez, on n'est pas de la famille comme on dit. Ça va, ça va. Oh, par contre, j'ai soif. Est-ce qu'ici, je peux boire sans risquer de mourir? Sur oui. Les cailloux là-bas. Ici, ça va. Ici oh, ici, c'est bien, c'est bien. Oui. Ah oui, d'accord. Merci, Ranger du KO. Bonsoir à toi. J'ai pas vu sur quoi t'étais. Merci beaucoup pour le braid. Oh, mais... Ah, j'ai pas vu ton perso. $400. Ah, trop bien. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas bien entendu avec l'eau. Je dis, on passera pas pour des pingres quand elle va gagner $400 grâce à notre ticket. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On pourrait se dire pas avec un nouveau perso, faut que j'aille voir alors. Attends, je regarde la nouvelle VOD un petit peu là. Et en même temps, je veux pas me spoil. Ah, j'hésite, j'ai un bien de croiser sans savoir que c'est toi. Ah, j'hésite. J'hésite. On verra. J'avoue que ça me plaît bien stylé aussi. Mais trop cool! Oh, j'ai vu quelque chose qui était vendu dans un salon qui s'appelait le Petit Capoué. J'étais triste. Oh. Oh! Moi aussi je vais faire ça. Bah oui. Oh bah non, je le fais pas. Mais si. Vas-y. On va voilà. Les porter là-bas. Oui, bah comme ça au moins il les sort un petit peu. Mais voilà. Bonsoir. Bonsoir. Allez. Bonsoir. Allez, faut que vous avanciez par contre, des petits gars. Et ils sont pas bien vifs. Ah, j'aime bien faire un juste. Je vais proposer ton idée. Là. Je vais proposer ton idée à Prosper. Ah, au pire, est... Oui, c'est vrai. À Pearl, on lui offre un ticket, on lui dit si tu gagnes, on partage. Là. On lui offre les 5 et on dit si tu gagnes, on partage. On voit la screen pendant ma pause. Oh, ça m'a rendu triste. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les garde? Ouais, on lui offre rien. Qui c'est Pearl déjà? Moi, je me souviens plus. Non, je parlais des chevaux. Ah, oui, pardon. On lui offre des chevaux, ces deux-là. Oh, ouais. On lui dit, on vous l'a pas encore fait celle-là. Vous pouvez choisir même. Bon, faut que j'aille à Blackwater quand même. Oui. Alors. Oh bon, c'est à côté, c'est bon. Allez, je le fais sans plan. Soyons des foufous. Pourquoi on passe par ici?
aucune idée. Le chemin, il est plus mieux. Oui, et puis bah par ici, on va de l'opposé, en fait. Oui, attendez, venez. Est-ce qu'on fait demi-tour? Allez, faisons demi-tour, oui, c'est plus pratique. On peut passer par là? Oula. Pardon. Oui, je pense. Je me trompe pas de route là. Franchement, j'ai envie de le faire en impro total. Oula. Oui, d'accord. Désolé, j'ai tiré à gauche, j'ai pas fait exprès. J'ai failli tomber, j'ai tiré à gauche et voilà, ça l'a fait, ça lui a fait tourner à gauche. Ici c'est à gauche. Oui, ici c'est à gauche. C'est ici. Il est joli ce cheval. Ils sont vachement vifs ces chevaux quand même. Oui hein. J'ai l'impression qu'il est plus rapide que Biou. En fait, maintenant il faudra aller jusqu'à Tumbleweed, les vendre un dollar chacun. Ah c'est à Tumbleweed. Un dollar? C'était là que c'était normalement, oui. Oui, c'est un dollar. Un dollar le cheval, oui, c'est quoi? C'est même pas le prix d'un ticket. Oui. On va faire. On va tout calculer en ticket maintenant. C'est ça. C'est peut-être ça que ça s'appelle l'addiction. C'est Tessie. C'est qui Tessie? Je pas de quoi tu parles. Moi j'arrête quand je veux, en la preuve. Hein. Oui, en fait vous pouvez arrêter aussi quand vous avez plus de sous. C'est pas bête. C'est pas bête. Pas bête. Oh, j'ai même pas envoyé un message à monsieur Duke, j'ai répondu à peur, mais j'ai oublié de... Je vais y dire. On va le faire ici. Je vais aller jeter un coup d'œil pendant que vous faites ça dans la rue pour voir s'il y a monsieur Duke. Ah oui, pas bête. Ah pardon. Je me suis dit, Tessie, si ça se trouve, c'est une rêve sur le cerf que j'ai pas et tout. Tessie. Je comprends. C'est rentré dans mon petit cerveau malade. Eh, bonsoir, par ici. T'es bien, Dieu? Ah, bah, très bien. Bah, attends. Hop là, je vais y répondre. Je vais ajouter, je voulais pas. Je pète un câble, nouveau. Mais. Voilà. Pour l'exclamation, j'ai pas 8 ans, j'ai 56 ans. J'aime pas mis cordialement, mais bon, là on est pressé là. Elle a compris, oui! Bah, la petite peur, elle m'a dit je vous rejoins à Blackwater si vous voulez, parce qu'Armadio c'est un peu mort. Ah! Oh bah, c'est pas beaucoup plus vivant ici, mais oui!
Y'a pas Monsieur Duke, j'imagine. Bah non, du coup on sait pas d'où qui est. J'ai pas envoyé le message à Monsieur Duke, je vais faire. Je vais finir par y penser quand même. Pas content. Alors, j'attends la réponse de Pearl avant. Je vais peut-être attendre la réponse de Pearl si elle me dit j'arrive à Blackwater ou si elle me dit bah finalement je reste à Armadillo. Ah oui, oui. Donc de passer ma soirée, envoyer des messages à Monsieur Duke. Oui, c'est ça. Faisons. Du coup, en fait, il y a eu des changements. Et bonsoir. Ah bon? Bon, rebonsoir. Oui. C'est quoi les changements? Bonsoir. Bah si, en fait, je crois que... On finalement... a plus de sous. Ah non, moi j'en ai un petit peu. Armadio et elle arrive à Black Pearl. Bah non, je crois qu'en fait, elle arrive pas. Ah, ok. On va dire à Armadillo, ok. Ça marche. Et je vais lui répondre comme ça, c'est. Mais attends. Ah, la brosse. Une grosse brosse. Ah bon? Tu veux trouver un sac dans la rue? Ah oui, c'est un sac sur le dos. Il était déjà. Voilà. Il y avait déjà des lanières là, des rennes. Non, c'est nous qui les avons mis. Qu'on les a mis. Bah ouais. Ah non, bon. Non, ben, on a renoncé parce que en fait, même en vendant les deux chevaux, ça, on pourrait pas avoir un ticket à gratter. Hein, les offres à oui. Pearl, on a dit. Oui, c'est ça, c'est vrai. Alors, c'est quoi l'histoire? Du coup, vous avez gardé les tickets quand même, non? Pour Pearl. Ben, on en a gardé quelques-uns. Après avoir gratté trois fois ce que je réservais pour elle. On va gagner. Et j'ai gagné $50, j'en ai perdu autant, mais... Et... Ah, bien joué. J'en ai gagné autant, j'en sais pas. Et, bah, j'en ai perdu 25. Et je dépose 10 sous à la banque. Allez-y. Oui, bah, et puis ticket à gratter à Tumbleweed. Je vais prendre de l'argent aussi, du coup. Pour. Bah, honnêtement, je crois que je lui ai donné l'argent direct. Comme un vieux tonton. C'est pas mal la petite enveloppe du tonton. Donnez-lui quoi? Mais. Le gars, elle a toujours été comme ça. Hein. Il dit ah quand je passe, maintenant boud. T'es depuis longtemps toi, hein? Mais t'es jolie. Prends un petit peu parce que je m'ennuie.
Zadizi la banque. J'ai pas encore l'habitude de cette banque-là. Il me reste combien si je fais ça? 27? Ah, quand même, hein. Voilà. Ok, parfait. C'est tout. Vous savez combien on peut en transporter au maximum des tickets ou pas? Non, je pense pas. Au maxi, bah, on n'en est pas là, nous. Oui, oui, oui. Ok. Moi, je tourne, désolé. Et si je monte derrière, est-ce qu'il est d'accord? Oui, il est d'accord. Oh, oui, d'accord. Oui, d'accord. Je pense qu'on va retourner vite fait à Strawberry pour les tickets de M. Duke. Mm-hmm. Bon, je vais peut-être lui reprendre un petit. Non, pour elle, pour elle, pour elle. Donc deux. Arrête de lire dans mes pensées. C'est marrant, j'ai l'impression que je vous connais, comme si je vous avais fait. Ok, bon, bah, on va se trouver alors, je vais en acheter. Allez. Ça marche. Est-ce qu'on reste... Tu voulais pas venir en calèche, toi? Ah bon, on apprend un strawberry, sinon. Oh non, 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 pas de calèche, pas de calèche. Bon, pas de calèche. Non, pas aujourd'hui. Hein. Les calèches, là, c'est insupportable. Ah mais, c'est vrai que... Ah oui, il y a eu des soucis aujourd'hui. Oh là là. On a mis genre 30 minutes pour aller de Strawberry à Valentine. Oui. Ah oui, d'accord. C'est très loin. Mal de tête, gens éjectés, trucs qui déconnent. Enfin bon, c'est la plaie de ouf, là. Oh bah c'est bien. On va y aller avec des chevaux. Au final, on a pris nos chevaux. Oui, bah... C'est vrai qu'on a eu des soucis, nous aussi, en même temps. Ah non, c'est insupportable. Et pourquoi vous prenez pas votre cheval à vous? Il y a une écurie, là, hein? Le changement. Il faut l'aventure. Oui. Vous voulez être surprenant. Ouais, vous pouvez prendre par exemple ce cheval qui ressemble. Oui, exactement. Ah oui, tiens. Ah oui, tiens. Attends, je prends. Allez. Mais... Vous êtes... Est-ce que vous êtes passé à Strawberry aujourd'hui, du coup? Parce que j'ai vu votre cheval... Attendez. Est-ce qu'il y a un truc pour... Bah après... Comme les... Oui, c'est ça, hein. Les chayeurs noirs, il y en a quelques-uns, ah oui, quand même. Ah oui, il y avait un truc pour un fusil. Regardez comment Denise est obligée d'écarter les gens. Sans mauvais jeu de mots, désolé, hein, mais regardez. Ah, je vais essayer de... Comment on fait comme ça? Toi, tu sais faire les marches arrière à cheval? Comme ça? Waouh! Alors, c'est... Vous pensez très fort. Vous voyez quand vous vous accroupissez? Oui. Eh ben, faites rien. Accroupissez-vous et faites... Attendez. Ah non. Oui, il faut sauter et s'accroupir. Et bah, Strawberry, du coup. Sauter et s'accroupir. Strawberry. Strawberry. Ouais, j'ai un chailleur. Il est immense. J'ai mal aux jambes, le chailleur, quand même. On a bougé, on a été donné les... Ah ouais, ça a bien apporté, là. 12 et 16. Ah oui, voilà. Hein? 12 et 16 dollars. Le crocodile, c'était plus cher. Crocodile, c'était plus cher. Ouais. D'accord. Le coyote, il était à 12. 12 dollars, le coyote? Oui. Ok. Il bon, valait moins le coup, quoi, celui-là, vu le temps qu'on y a passé. Tu as un truc à faire, ouais. Comme ça, t'entends, quoi. D'accord. Bah, après, si par exemple, vous passez votre journée à faire un petit... Si vous arrangez pour avoir petite un petit parcours avec que des animaux légendaires, ah bah ça, oui, hein. Je pense que vous pouvez rapporter pas mal d'argent par jour. Hein. À mon avis, c'est le truc le plus lucratif. Hein.
Donc, surtout quand on est des comme dans des coins comme le Bayou, on peut en plus chasser un petit peu tout ce qui passe et tout. C'est clair. Bon, le coyote, c'est vrai que c'était pas super rentable, hein. Mais on a. Oui, mais bon, c'était coyote, pour on la science. Pas l'heure, alors. En vrai, on serait arrivé. Oui, il connaissait pas l'animal non plus. Ni l'animal ni l'heure. On a perdu un temps dingue. Oula. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Je vais passer par là. Voilà. Bon, bah, on retourne à Strawberry. Bah, du coup, je leur rends leur cheval. Putain, tu veux ce que tu veux. Au revoir. Au revoir, mon gars. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais, non, vaut mieux que. Que je le fasse partir. Oui. Non. Et vous êtes tombé aujourd'hui de Montgolfière ? Vous parlez un petit peu fort, monsieur. Il y a 2 heures, je crois. Ah, pardon, ouais, c'est vrai, j'étais chaud, désolé. Pas de soucis. Ouais. Les figures, c'est pas mal, mais pour mes petites jambes, faut trop écarter les cuisses. Hein. Ouais. J'ai plus la souplesse d'antan. Oui, c'est ça. On l'a pas attendu, ça se fait pas trop. Non, c'est vrai. Je vais m'admirer la vue ici. Moi aussi. Attends, Prosper. Ça va? Je voulais me laver le visage. Oui, bah c'est pas comme ça, hein. Bon, bah tout est prêt. Faut se mettre sur le bord, faut pas sauter. Oui, c'est ça. Réflexe. C'est tellement je suis souple, ça. Oui, c'est ça. Et puis t'as trop d'énergie. Lisa, j'arrive pas à me contenir, en fait. Si ça se trouve, monsieur Duc... Il est juste coincé là. On va le délivrer. Ah oui, il faut un lasso. Hop. Ah oui, oui, tout à fait. Je vais ramener une amie à Saint-Denis. Bonjour. Bon, moi, il faut qu'on y aille. Sinon, je vais être en retard à l'anniversaire. Oui. Oui. Eh ben, monsieur, dame. Bonne soirée. Au revoir, monsieur, dame. Mademoiselle. Bonne soirée, monsieur Duc. Oh, il est beau celui-là. On n'était pas sûr si c'était un guet-apens. J'espère qu'ils auraient assez de tickets, quoi. Oh oui. Oh oui. Ils avaient fait le pain aujourd'hui. Oula. Ah. On a c'est vu quoi, monsieur... Le monsieur. Je pense qu'il y en avait 300. Il y en avait 300 et quelques. 380, ouais, après nous, vrai. 300. Combien qu'on en aurait pris. Je pense que j'ai dû en prendre... Ouais, j'en ai pris une vingtaine, je pense. Une vingtaine, oui. 250 fois. C'est la faute à Madame Denise. Parce que je suis solidaire de son addiction, monsieur Madame Denise. Alors... D'ailleurs, le seul que j'ai gagné, c'est toi qui me l'as offert. Et en plus...
Hormis, j'en ai pas racheté deux. Moi non plus. Vous pouvez en gratter qu'un, Dame de Bise. Voilà. Ah merde, je voulais garder ça. Et voilà, c'est pas grave. Perdu. Oh, 10. C'est vrai? Oui. Vous avez gagné plus là que sur tous les autres? Non, non, ça va. Aujourd'hui, sincèrement, j'ai gagné 45. 4 oui. fois 10 et 5. D'accord. Moi, j'ai gagné une fois 50, mais une fois. Enfin, c'est quand même pas dingue non plus, quoi. Ouais. Voilà, du coup. Combien vous en avez acheté, monsieur Duke, pour Pearl? On va passer pour des pinces. 52. D'accord. Oui, mais bon, on n'a pas le même budget. Oui, et puis nous, on lui a offert des pipes. Elle le sait, quoi. On a trouvé des pipes mentholées. Oui. Oui, nous, ce sera une pipe, une tequila, deux chevaux et 5 tickets. Ça peut vous allez voir, je suis sur le final. Oh là là. Non, mais avec 50, elle va quand même super bien gagner. Bah, j'espère quand même, amusant, parce qu'elle a de quoi jouer. Non, mais 52, elle va gratter toute sa soirée. Hein. J'espère qu'elle a ramené des mains. Quelqu'un lui a offert des mains. Moi, je vais lui offrir ce cheval gris, là, moi. Allez, tu viens avec moi. Non, il n'y a pas de qui tient. Hop là, je monte avec un voilà. Donc, d'être à 15. Que... Oui. Bon, bah, tout voilà. Le monde aime le gris, en fait, non? Armadio. Attendez, est-ce que je vérifierai pas mes télégrammes au cas où il y a eu un changement? Ah oui, pas bête. Non, parce qu'elle m'a dit je suis pas douée pour organiser, j'aime pas ça. On ne sait jamais. Ce serait plus malin. Wow, quelle entrée! J'aime quand ça chipote pas. Oui, c'est bon. Pas de changement. T'inquiète pas, il arrive ton maître. Pas de changement, mon pas de changement. Ok. Hop là, attendez. Ouais. Laisse mettre droite. Voilà. Voilà, allez, j'ai aidé. J'ai fait pencher. Ouais, c'est bon. Prosper, il a failli se noyer il y a 5 secondes. Ah oui. Comment ça? Je regardais juste la vue. Il a regardé l'eau, il n'a pas pu s'empêcher de plonger. Contraction musculaire, boum. Bonne soirée. Bonne soirée. Et vous avez fait quoi de votre soirée? Qu'est-ce que j'ai fait de ma soirée? J'étais à gauche à droite avec une amie. J'ai pas fait grand-chose, on va avouer. Oui, c'est un petit peu ce qu'on a fait. On a un peu discuté. Voilà. Mais il y avait des jeux à gratter au milieu. Oui. Après avoir gratté 5 fois ce que j'avais prévu pour Pearl, j'ai décidé d'arrêter. Ouais. Et au moins, j'ai eu tous les perdants. Oui. Non, ça va, j'ai pu déposer un peu de sous. Avec les 50 quand même. Ah, quand même, ouais. J'ai eu des 50 offerts, enfin achetés, enfin pas offerts, mais bref, gagnés. Plus des. Bon, c'est réparti les 10 de la chasse. Ça va. Ouais. Ah là là, on l'a rappelé. Ouais, tout à fait. Quelle soirée. Vous connaissez les raccourcis? Ah oui, non, celui-là c'est un petit. Oh bah là, ça va. Quand je vais à Armadio, j'ose pas trop. Avec les cactus et tout ça, ouais. Bijou elle aime pas. Oui, les cactus, oui. Oh, on est passé à Armadio aussi. Et il y a. Le saloon, il a vachement changé dans son contenu, hein. Non, parce que. Bah, c'est-à-dire que les tapas et les tequilas ont laissé la place au vin rouge et au tartre à la fraise.
Il y avait plus de tequila, mais il y avait du vin rouge. D'accord. Et puis bah, il y avait des petites tartes et tout ça. Ouais. Ça m'a surprise. J'ai une petite tequila. Bon, j'ai pris un vin. J'ai bu au goulot comme ça. Mais non, mais ils proposent que des petits verres à tequila là. C'est autant boire au goulot. Oui, non, ouais, c'est sûr, c'est sûr. On boit pas. On boit pas du vin dans un gobelet, même si c'est un peu de la piquette. Ouais. Pas très vin. Bon, ici, vaut mieux pas, hein. On va faire le whisky. De quoi? Ah oui. Non, mais écoute. Ah. Petit grizzly. J'ai eu peur que ce soit. Avancez un prospère, hein. J'espère qu'il est juste derrière moi. J'espère aussi. J'entends le cheval, j'entends le cheval. Ouais. Prosper ? Merde. Oh. Je crois qu'il s'est fait chauffer. Ça, c'est mauvais signe, ça. Prosper ? Ah non, c'est bon. On y va, on y va. Oh là là. Ah, j'ai eu peur parce que j'ai entendu. Allez. Oh ! Mais ça court vite, hein. Ah oui, ça court vite. Il fallait que ce soit aujourd'hui que t'aies pas ton cheval. Bah oui, mais c'est ça quoi. Heureusement, t'étais pas en calèche. Ah, le hurlement impressionnant quand même, j'avais un peu oublié. Bah, c'est surtout que là, je voyais plus Prosper, et puis j'ai entendu ce boulot, ou je sais pas quoi. Oui, qu'il s'est entendu quelque chose, oui. Mais j'avais plus enfin, je sais pas si c'était parce que la bestiole faisait trop de bruit, mais j'entendais plus trop les sabots. Ok, c'est bon à savoir qu'il y en a ici. Ah bah là, grizzly là, oui. C'est le grizzly que je vous ai montré la dernière fois. Oui, c'est celui-là, c'est oui. Juste qu'il oui. Oui, c'est juste qu'il s'est... C'est juste qu'il se décale vers la route, quoi. Ouais, je vois ça. Ça vous fait marrer. Oui. Pas surtout que c'est aujourd'hui que Prosper a une mule en guise de monture quoi. Ah ouais, et je me dis c'est parfait, ça pouvait pas tomber mieux. Et du coup il se traîne depuis tout à l'heure, ça me fait rire. Non, bah oui je l'attends. Bah vous auriez pu monter sur l'autre Shire hein, tous les deux. Ah oui mais il aurait fallu que je conduise tout ça. Ouais, l'autre chailleur jumeau, je lui ai dit de partir, j'ai préféré, je savais pas s'il allait me suivre ou pas, j'ai préféré. Ouais. Bestiole, ah punaise. Oh, c'était des petits chamois, on aurait dit. Comment il se traîne le chien, regardez ça. C'est trop drôle. J'ai hâte d'aller voter ici, bisous, fais voter, on en recommence une tout de suite, bye bye.